que la cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains est l'exagération au sujet des gens pieux. Le peuple de Nuh, alayhi salam, a outrepassé les limites concernant les gens pieux auprès des tombes desquelles ils se recueillaient, tombes qu'ils ont divinisées et qui sont donc devenues des divinités en dehors d'Allah. Les chrétiens ont eux exagéré concernant leur prophète Isa, alayhi salam, ainsi que les apôtres, mais aussi concernant les prêtres qu'ils ont élevés au niveau de divinité avec Allah, comme on sait quand ils disent Saint un tel, Saint un tel, Saint Nicolas, Saint Pierre, Saint, Saint, Saint. Il y a un saint partout. Enfin, même dans cette communauté, certains ont attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines caractéristiques de la divinité, alors que c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. De même, il y en a de cette communauté qui font la même chose que les chrétiens. Saint un tel, Saint un tel, Saint un tel, Wali un tel, Wali un tel, Abdul Qadir Jilani, Al-Shadili, Al-Rifa'i, etc., etc., etc. Et ils les invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Hassan, Al-Hussein, comme les Rafidah qui adorent la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et ils contredisent par cela la base de la religion, qui est le tawhid. Le monothéisme pur, l'unicité, vouer un culte exclusif à Allah.